Salut tout salut et bienvenue dans une méga rampe impossible. Et oui, tout le monde est en moto sauf moi. Vous dites pourquoi lui n'était pas en moto? Et bien tout simplement parce que je pensais que c'était en scooter, mais j'avais oublié que c'est parce qu'en fait hier on a fait un parcours en scooter. Donc du coup, et bien voilà là. Et je sais pas si vous avez reconnu les gars le perso au passage. Magnifique la méga rampe. Ah oui, les motos elles passent à je sais pas combien à côté de moi. Bon, heureusement pour moi, le véhicule passe bien. Et là ça je voulais te demander. Ouais. Est-ce que t'es prêt? Tout à fait. T'es prêt pour le 26? T'es prêt ou pas? Ah, et parce prêt, que le ready, 26, I'm les ready. gars, nous serons en live, hein, nous le rappelons quand même. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais on sera en live le 26. Are you ready? On va refaire le, vous savez, le concept, le dernier qui sort, sauf que cette fois-ci on le fera, mais ça sera en live. C'est-à-dire, on sera donc live pendant 10 voter. Heures donc minimum, 15 voter. Heures, 12 heures. Et vous pourrez aussi voter donc, aussi. Ils pourront voter pour éliminer les joueurs, et ça, c'est beau. Effectivement. Et vous pourrez voter pour les joueurs, c'est-à-dire, vous pourrez, je sais pas, par exemple. Il y a un duo qui se fait éliminer, hop, vous pourrez choisir entre les deux qui des deux doit sortir. Et ça va être beau la salle. Eh oui. Dire que t'es là, t'aimes pas quelqu'un ou t'aimes pas comment il joue, hop, ciao tu peux bambino. Le virer quoi. Tu peux le virer. Je voulais te demander une question. Enfin, j'avais une question à te poser la salle. Tout à fait. Est-ce que t'es prêt psychologiquement? Bah. Parce que vendredi on va tourner une bonne vidéo, je te le dis. Ouais. Voilà. Et va falloir que je m'entraîne. Parce que bon, t'es traité fort. Va falloir que je m'entraîne. Donc je vous dis pas, mais la vidéo qui sortira samedi prochain, les gars. Donc samedi là qui arrive là. Elle risque d'être pas mal. Voilà, c'est un petit concept que j'ai trouvé comme ça. Ouais. Et vraiment comme ça. Et je sais pas. C'est quoi, c'est toi contre moi ou c'est quoi? Ouais, ça va être nous deux. Enfin oui, ça va être moi contre toi. Mais sauf que le perdant, il va devoir faire quelque chose de très... Par contre, tout le monde me pousse là. Perdant, il va manger quoi? Il va devoir faire quelque chose de... Par contre, la méga rampe, elle est vraiment impossible. T'arrives à passer? Ouais. Bah avec un peu de mal, des fois, ça dépend du véhicule, mais ouais. Bah moi, je suis en super sportif et... Impossible ah, de moi, passer. Je suis en... On n'arrive pas à passer, on est plein. On est tous bloqués. On est 11, je suis avec le véhicule. On est 6 placés. Si c'est bloqué. Donc voilà, vidéo samedi, pas mal, vous allez kiffer. Et puis voilà. Oh punaise, quoi, mais sérieux. On tombe pour rien à la salle. Bah écoute. Non, c'est bon, là je suis passé avec le véhicule Vagos. Bah écoute, bien joué. Nous on n'arrive pas à passer. C'est-à-dire qu'on est là, on est bloqué. On est là. On est là, on est là, on est là. Mais regarde, mon véhicule il saute pour rien alors que je suis à fond. Allez. Ouh, j'ai le beau véhicule, le plus beau véhicule. La coquette Allez. Des 10. Non, non, la salle. What? Oh, je suis passé. Waouh, quel plaisir les gars, je suis enfin passé avec ce... Je sais même pas comment j'ai fait pour passer. J'ai dû contrôler mon frein à main. Et je peux te dire que ça fait mal. Alors... Oh là 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 là, comment il peut descendre plus vite que moi? J'ai la coquette des 10, il a le véhicule dégueulasse Vagos, s'il descend plus vite. What is a fuck? En plus j'accélère comme un buffle, je freine pas. Comme quoi en descente ça a rien à voir hein. Ah ouais, j'ai le véhicule Vagos aussi, je vois lequel tu parles. En fait, c'est les nouveaux véhicules, quoi. Et tu vas à fond ouais. Ou pas, sérieux, toi? Bah oui. Mais je suis toujours, avec n'importe quel véhicule, je suis toujours à fond. Je décélère jamais. Et ça... Écoute, j'essaie de gérer mon frein à main. Je sais pas si ça va passer. Oh la vache. Ah, mais attends, comment c'est passé, je viens magnifique. De voir un truc. Ouais, je viens de voir un truc. C'est quoi? Quel est le rapport entre cette méga rampe et Fall Guys? Bah c'est méga rampe Fall Guys, à part que le petit perso là. Si non mais
D'accord. Ah Vas-y, bah vas-y. non, il y a pas de rapport, c'est juste le petit logo quoi. On est d'accord, il n'y a aucun rapport. Ouais. Par contre, j'ai hâte que la saison 2 de elle sorte. Hein. C'est bientôt en plus, je crois. De S'ils vont quoi? De mettre. Walking Dead? Ouais, non, Fall Guys. D'Umbrella Academy? De quoi? Bah Fall Guys. Hein? Et ils vont mettre des nouveautés, tout ça va être stylé, des nouveaux. Parce qu'on en a marre tout le temps les mêmes missions. C'est pour ça que moi j'ai un petit peu arrêté en ce moment. Parce que j'en ai un peu marre des. C'est toujours les mêmes. Il y a, je sais pas si t'as vu, il y a la saison 2 de Casa de Papel qui sort bientôt. Là, t'es en retard, toi. Non? C'était écrit décembre 2018. C'est ce que je dis, t'es en retard. Attends, on est en quelle année là? Bon, on est en 2020, quoi. Mais n'importe quoi! Bah, si. Walmito! Tu serais pas un menteur, toi, par Ah, hasard? oui, parce que j'avais oublié que tu vivais à l'époque. Ouais, ça va. C'est vrai que j'ai oublié que tu vivais à l'époque des booms, là, ça. Théorie du complot, là, hein? Espèce de complotiste! Par On n'est contre. pas en 2020! Menteur, alien, reptilien, terre est plate! T'es malade mental. Je sais pas, des fois, il y a des débats sur des trucs comme ça, là, c'est bizarre. Écoute, je sais pas comment je fais pour passer cette méga rampe la salle, mais je te jure, c'est incroyable comment je passe. Oh, je vais toucher le logo Fall Guys. Fou, Fall Guys. Tu Fall penses que Guys. ceux qui disent que la Terre est plate, c'est genre des gars qui ont envie de, tu sais, de rigoler un peu, s'amuser et tout, puis ils lancent le débat, puis après ils sont derrière leur écran et ils rigolent? Tu vois, genre, ouais, ça les fait rire, quoi. Ou alors est-ce qu'ils sont sérieux? Oh, je pense qu'ils sont. Il y en a, ils sont sérieux. Hein. Tu crois? Je me T'imagines suis quand toujours même posé la question. dire que la Terre est plate, c'est quand même. C'est plat. C'est bizarre quoi, parce que la Terre elle est pas plate, parce que. Enfin, je sais pas, il y a des astronautes qui ont. Enfin, même tu. Je sais pas. C'est pas comme si il y avait masse de satellites dans le ciel avec des images. Avec des images qui montrent que bah, la Terre, malheureusement, elle est ronde, là, les gars. Ah, mais c'est marrant quand même. Moi, je trouve ça marrant. De... Mais Je j'ai jamais trouve compris ce ça. concept de Terre plate. Pourquoi? Bah, à mon avis, hein, après, c'est un avis personnel, partagé ou non, selon les différences corporelles, culturelles et intrinsèquement anatomiennes. Ouais. Moi, je pense, donc je suis. D'accord. C'est pour ça Par quoi. rapport à ce sujet, en tout cas, hein. Ouais, et donc? Parce que selon les sujets, je ne suis pas où je suis. Enfin, ça dépend. Par exemple, je ne suis pas caddie. Ouais. Par exemple, tu vois, je déteste le caddie dans GTA. Donc, je ne suis pas caddie. Voilà. Et je le dis et je l'affirme et j'assume. Voilà. J'assume totalement ne pas être caddie. Voilà. Mais pourquoi? Bah, parce que c'est un véhicule que je n'aime pas spécialement. Il tient pas la route. Il va pas vite. Il va dans tous les sens. Il a rien pour lui. Il est catastrophique. Voilà. Il aurait été bien sur des parcours de golf, mais pas ici. Voilà. Ben écoute, tu te vois en plus, je crois que c'est toi là. Ouais. Est-ce que t'as réussi à. Ah, t'as quand même réussi à passer. Bah moi je suis. J'étais en Formule 1, dis-toi. Et non pas en Formule 2. Parce que tu savais que la salle à Formule 2 ça existe. Mais on peut dire j'étais en Formule 1 ou j'étais au Formule 1. Eh oui, hein. Tu vois, parfois il y a des mots qui ont des doubles sens. C'est pas Et là, en con. l'occurrence, c'est pas un mot, mais c'est deux mots. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Donc c'est un momo. C'est un momo, effectivement. Comme le caddie, je sais pas comment je vais faire pour passer avec, mais. On va espérer la salle. Ah bah oui, bah forcément. Forcément, ouais. Forcément. Fallait s'en douter. Fallait s'en douter que forcément quelqu'un, alors que la plateforme est énorme, bah me fonce dedans. Je Tu vois? vois ce que tu veux dire. Alors que la plateforme elle est énorme quoi, je veux dire.
Tu peux mettre 4 facile 5-6 voitures. Et bah c'est encore lui qui va me dégommer, je crois. C'est d'accord à cause de lui. Bon là il a pas fait exprès mais. Mais y'a combien de points dans cette méga rampe? Parce qu'en fait depuis tout à l'heure on enchaîne les véhicules et à un moment donné je me suis dit mais nous sommes au quantième véhicule ou comme dirait notre ami Nguyen, au combientième. Ouais, je suis tombé à la fin. Bah écoute, je sais pas du tout. Je sais pas vous êtes où. Moi je suis à au 19, combienième. il reste 10 points moi. Ça se dit combienième? Je pense que ça se dit. Par exemple quand tu fais plusieurs combos, par exemple dans un jeu. Et tu veux savoir, t'es au quel combo? Au combienième? Comme ça, on sait que tu parles de combo. Je crois que c'est français. Et en même temps, tu demandes c'est lequel. Wouhou! Ah ouais, ça, j'espère avoir de la chance. Mais comme d'habitude, je pense que je vais tomber à la fin. Eh oui. Et ben voilà. Bah, écoute. Alors, c'est strictement. C'est ça que t'allais dire? Bah dis-le! Non, mais là je viens littéralement de perdre 2 minutes en caddie à cause de. Bah voilà quoi. Pas de ma faute, tu vois. À cause de qui, de quoi, de quand, de où, de. Parce que ça dépend, hein. Selon l'endroit où on se place, on n'est pas toujours du bon côté de la barre. Okay. Et je dirais même de Jabbar, voilà. Ok. Allez, s'il te plaît. Mais toi, tu dirais que j'en ai combien? Bah, j'en ai beaucoup parce que j'arrive pas à passer avec le caddie. Et quand je passe, bah. Quand tu passes, le caddie trépasse. Je suis sûr que t'allais dire ça, non? Non, regarde. C'est... J'irai pas passer avec le caddie. Bon. On va le faire, les gars. Non, mais j'étais bien. Mais il y a quelqu'un qui m'a dégommé là, ça, j'étais bien. Ok. Wouh, je suis deg, on m'a doublé à la fin. Juste devant la ligne. Regarde, c'est écrit en bas. Et passé en première position. Voilà comment perdre sa place, Anuin. Tu sais comment j'ai fait pour perdre ma place? Je te le dirai pas. Voilà. Eh ben écoute, j'aimerais bien passer. C'est tout ce que je souhaite actuellement. Non, je te le dirai pas. Non, n'insiste pas. Bah écoute, moi je passe actuellement en voiture de caddie. Et ça fait mal au mur parce que j'ai perdu littéralement 2 minutes avec le caddie. Je crois même 3 minutes, t'imagines? 3 minutes? C'est quoi des minutes? Non mais fuite, j'étais là tranquillement, le caddie, il m'a plus tombé. Secondes mélangées, CDC. CDC. Alors par contre, c'est quoi après le caddie? C'est ça la question. Pouh! Oh, Scramjet la salle. Scram quoi? Scramjet, t'as fait comment? T'as boosté? T'as pas boosté? Ouais, mais j'ai quand même eu le ralentisseur, donc ouais. Mais j'ai quand même boosté. Mais j'ai quand même eu le ralentisseur. Mais j'ai quand même boosté. Oh punaise. J'allais dire Maël va encore me dégomme. Et bah voilà la salle. Ouais la scramjet easy. Hein. Easy busy la scramjet elle est easy. Elle est busy. Elle est easy. Elle est busy. Elle est easy busy. Ok. Ok, on va passer les gars, on va passer. On va bientôt finir. C'est juste que là, disons que le caddie m'a fait du mal la salle. Le caddie, vraiment les gars, c'est le pire véhicule. Bah voilà, vous savez la salle, il l'a dit juste avant. Mais c'est vraiment le pire véhicule. Surtout que quand tu te fais dégomme une fois, c'est fini. Il part en freestyle. Et là, on est avec, bah pareil, nouveau véhicule de. Nouveau véhicule, hein, les nouveautés du dernier DLC. Alors, comment on va se jouer avec celui-là? Ah oui, d'accord, celui-là carrément. Il décide de où il va, quoi. Alors, lui. Il décide magnifiquement où il va.
Bah ouais, mais c'est ça une nuit, non? C'est ça, hein? Par contre, pourquoi j'ai pas de chance? C'est pas un manque de chance. C'est quelque part une jonction entre. Alors attends, tiens-toi bien parce que là, je vais utiliser des mots peut-être inappropriés. Mais c'est, j'ai l'impression que c'est une jonction entre un support Regarde, ouais, lui qui laisse. qui veut prendre connaissance du côté opposé des conditions à respecter, mais d'autre part, j'ai l'impression quand même que c'est comme une Je vais présidentielle aller doucement avec le Nicolas parce qu'il saute. que tu seras en train d'essayer de balancer aux ordures en y mettant des IEM. À un moment donné, il faut choisir. Certes, le nouveau Call of est là, mais est-ce qu'il est meilleur que le précédent? Pourquoi sortent-ils avec si peu d'écart dans le temps? Réponds à ces questions. La question est vite répondue, c'est que je viens de tomber à la fin. La salle. Réponds à ces questions. Bah, je sais pas. Disons que. En soi, un jeu est un jeu. La salle. Tu le sais. C'est pas tout à fait correct. Parfois, un jeu peut se transformer en mission, en aventure. Tu penses? Et un jeu n'est plus un jeu. Parfois, un jeu peut virer au drame. Comme par exemple dans les parcs, quand il y a des accidents. À la Ah base, ouais, le c'est un véhicule jeu. fonce, hein. Nous nous amusons, Il a puis une nous bonne accélération, la salle. finissons par avoir des blessés. Et je crois que Parfois tu peux même des passer. morts. Mais ça fait plaisir. Qui sommes-nous? Où allons-nous? J'ignore de le savoir. T'es malade. Mais ce que je n'ignore pas de le savoir. C'est normal, il y a un point rouge au milieu. Est parabolique! T'es vraiment fou la salle. Voilà comment Atterrissage nous parfait. devons nous nettoyer la glotte. Écoute, là, ça, je suis en train de voir le point final où je rêve. Je me suis nettoyé de l'intérieur. Nettoie ton Wow, là, je me art. dégomme la salle, t'as vu? Impose ton style. Fais-toi respecter, Anuin. Je vois que sur le RP, personne ne te respecte. Fais-toi respecter. Tu T'es dois fou. te faire respecter. Lorsque quelque chose ne va pas, prends la parole, parle. Dis-leur leurs quatre vérités. Je sais pas pourquoi, mais je sens que t'es dans un Impose-toi. channel en même temps. Hein? Pas du tout. Alors là, Même pas. je peux te dire, mais vraiment, Ouais. que je ne suis qu'avec toi. En ce moment même. Et que, bien évidemment, bon, mis à part les deux, trois fantômes qui vivent avec moi, parce que forcément, toutes les maisons sont hantées. Et moi, des fois, j'entends des bruits, des gens qui parlent le soir, hein, et qui essayent de me caresser les pieds pendant que je dors. T'es complètement fou. Hey, attends, mais toi, t'as un sérieux problème psychologique, hein. Faut vraiment que tu te fasses soigner, là. Ça va pas, hein. T'es vraiment malade, hein, je te le dis. Mais c'est toi qui es malade. On t'a déjà dit que t'étais fou. Attends, t'as vu ce que tu fais? Tu t'entends parler des Waouh, fois? ça fait plaisir la salle. Ah, et attends, mais. Ah, ouais, d'accord, j'allais être non classé. Hein. J'ai failli être non classé. Et ben voilà! T'as failli à ta mission.